Faire un trou pour en boucher un autre. Faire un trou pour en boucher un autre est une expression qui signifie qu'on résout un problème tout en créant un nouveau problème pour lequel il faudra trouver une solution également. Cela revient à échanger un problème contre un autre, sans que cela ne résolve réellement la situation. Par exemple, imaginons que vous ayez un problème avec l'humidité dans votre maison. Pour résoudre ce problème, vous décidez de remplacer toutes les fenêtres qui laissent passer l'air. Cependant, en faisant cela, vous réalisez que vous avez créé un nouveau problème, maintenant, votre maison devient trop étouffante et vous êtes obligé d'ouvrir les fenêtres pour y faire entrer de l'air frais. Dans ce cas, vous avez simplement fait un trou pour emboucher un autre. Une autre illustration peut être de promettre de rembourser une dette avec un nouveau prêt, sans considérer comment vous allez rembourser le nouveau prêt. Au final, vous vous retrouverez avec une dette supplémentaire pour laquelle vous devrez trouver une nouvelle solution. En somme, faire un trou pour en boucher un autre signifie qu'on résout un problème en en créant un autre et que cela ne mène pas à une solution efficace. C'est pourquoi, il est important d'envisager toutes les options et de trouver des solutions durables et réelles plutôt que des solutions temporaires qui peuvent causer plus de problèmes à l'avenir.